Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astromystique pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc pour la période du 1er au 15 décembre, pour vous les lions, vous avez le ciel, vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. Alors j'aime beaucoup parce que ici on vient vraiment vous apporter des petits signes, des petits messages, des compréhensions peut-être aussi, qui vont vous permettre de lâcher prise sur ce que vous... sur peut-être des inquiétudes, sur un stress, sur quelque chose qui vous minait un peu le moral ces derniers temps. D'accord? Donc là, il y a vraiment un relâchement dans vos énergies hein, durant cette période où on vous invite à vivre vos rêves sans peur et à être vraiment dans cette notion de « Ok, j'ai de moins en moins peur justement de faire ce que j'ai envie de faire ou de me lancer dans de nouveaux projets. » Ou voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui se met en place. Et en plus de ça, on vous dit que c'est une évidence. Donc il peut y avoir des messages, il peut y avoir des synchronicités ou des choses de l'univers qui vous montrent que voilà, c'est une évidence en fait. Hein, donc tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous les lions. Donc du 1er au 15 décembre 2024 pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sacrifice, abandon et dévotion. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine à ce point-là? Dans quelle situation vous avez l'impression de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose, d'abandonner quelque chose? On vous dit non. C'est pas parce que d'un côté vous allez vous centrer sur vos rêves, vos ambitions, ce que vous souhaitez mettre en place, que vous abandonnez forcément quelque chose ou quelqu'un, que vous sacrifiez quelque chose ou quelqu'un. Il y a un truc en lien avec le sacrifice là. En deck, vous avez la paranoïa, la folie et les tracas. Donc là, on voit bien, j'aime beaucoup cette carte-là parce que on est dans la caricature, dans l'exagération du trait. On est à fond dedans, la paranoïa, c'est vraiment en plus. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui... C'est les illusions, en fait. C'est l'impression que... Avoir l'impression que... Et en même temps, ça génère des inquiétudes, des tracas, du stress, qui est totalement inutile et illusoire. Parce que vous, c'est pas fondé en fait. Les peurs là que vous avez en vous, elles ne sont absolument pas fondées. Donc cette notion d'abandon, de sacrifice ou de dévotion vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, c'est totalement illusoire. Donc là, vous devez travailler vraiment sur cette sensation là et d'être vraiment de vous reconnecter à vos rêves, de vous reconnecter à ce qui est important pour vous, et de croire et d'être en joie et de retrouver l'épanouissement, parce que là il y a quelque chose d'extrêmement négatif qui fait que soit vous vous sacrifiez vous vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que vous vous dites, oui, mais enfin, moi, j'ai pas le temps de penser à moi, j'ai pas le temps de penser à mes rêves, à mes projets. Faut d'abord que je m'occupe de telle ou telle personne, ou de telle ou telle chose. Ça, c'est d'être dans le sacrifice. Parce qu'il y a une possibilité de se donner la priorité et en même temps de trouver un équilibre dans ce... Parce que là, il y a vraiment, avec la notion de sacrifice, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez remédier à cette situation-là. Ok, donc on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiff pour vous les lions. Donc du 1er au 15 décembre pour vous les lions, hop, vous avez... on retrouve cette énergie scorpion dans l'autodestruction, dans la provocation, dans quelque chose d'extrêmement négatif, mais qui vous pousse à plonger un peu dans vos ombres et dans vos profondeurs. Hein. Donc là, il y a quelque chose de négatif parce que vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes dans l'énergie scorpion
qui est un peu dans le dans ouais, où vous faites votre mauvaise tête et vous dites, bah voilà, puisque ça marche pas de cette façon-là, et ben j'abandonne tout, je laisse tomber, voilà, vous vous mettez en posture de victime, et là ça ne va pas du tout. Et là on vous dit, il va falloir sortir de cette posture-là, vous reconnecter à ce côté positif et à ce côté lumineux, à votre côté lumineux, parce que là vous êtes vraiment dans quelque chose de sombre là. Mais pourquoi? Ah ben parce que vous avez Pluton qui vous titille un peu les lions là. Qu'est-ce que vous cherchez à détruire? Pour certains, ça peut passer par un besoin de faire table rase de quelque chose, un besoin de provoquer des disputes, peut-être pour mettre un terme à une relation. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ça peut être saboter votre travail dans votre poste parce que vous voulez qu'on vous vire. Vous voulez, alors qu'en fait, mais pourquoi est-ce que vous prenez pas les devants, en fait? Mais sainement, pas en mode, pas en mode, comment dire, révolutionnaire, mais révolutionnaire en destruction, quoi, en mode destruction. C'est pas sain, en fait. Voilà. Voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression que vous avez un comportement ou une façon de penser, une façon de faire, je ne sais pas, mais qui n'est pas bonne pour vous. Ou par rapport à cette situation-là, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, les lions. Là, c'est bizarre comme truc. C'est comme si, enfin moi, ça me fait penser, vous savez, à l'enfant. L'enfant qui n'a pas ce qu'il veut et qui va être dans l'auto-sabotage en se roulant par terre, en hurlant, en pensant que peut-être il aura finalement ce qu'il veut en faisant ça, mais qui au final s'autodétruit ce rêve et cette envie qu'il a d'obtenir ce qu'il désire. Voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en posture de cette situation en abandonnant vos projets, en vous disant ouais, bah de toute façon, puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber, parce que votre ego est blessé d'une certaine manière. Moi, je vous sens blessé là. Il y a quelque chose. Ou alors, vous cherchez effectivement à ce que quelque chose prenne un terme, hein, Pluton, la mort, détruire, vous voulez chercher à mettre un terme à quelque chose en étant dans une posture d'autodestruction. Vous provoquez la destruction de quelque chose. Ou alors, vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment en train de toucher le fond émotionnellement par rapport à quelque chose que vous n'acceptez pas. Et là, vous prenez un risque considérable parce que les cartes, elles sont quand même extrêmement difficiles. Elles sont dures. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi et risquer peut-être votre vie dans un comportement excessif. Par exemple. Ça aura différentes. En fait, j'ai l'impression que ça va avoir différents degrés en fonction de chacun d'entre vous. Pour certains, ça peut être simplement avoir un comportement comme ça provocateur et être un petit peu dans je provoque une dispute parce que j'ai envie de mettre un terme à quelque chose qui ne me plaît pas. D'accord? Mais pour d'autres, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc là, vous avez le ciel qui est avec vous. Le ciel qui vous pousse à vous reconnecter à quelque chose de positif, à rallumer un peu la flamme en vous, à continuer à croire en vos rêves et en vos projets et ne pas être dans cette posture de victime et d'autodestruction là. Non, 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 ça suffit, on se réveille là. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle murmure de l'océan. Donc même si vous êtes blessé, que vous souffrez, vous êtes en colère, essayez de garder quand même le cap. Ne sombrez pas dans les méandres du scorpion là qui est vraiment dans l'autodestruction parfois. Alors, le dynamisme persistant. Voyez ce que vous désirez et avancez vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts pour vous guider vers le résultat optimal. Alors c'est marrant parce qu'ici, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout piquer. Ça fait penser au scorpion. Piquer droit sur votre cible. Oui, il y a quelque chose à atteindre. Vous avez un but et un objectif à atteindre, ça c'est sûr. On vous invite à persister, à ne pas abandonner, à ne pas être dans une situation, ne pas créer une situation de faim, de mort, voilà, peut-être que c'est une mort sociale ou une mort symbolique, ou à ne pas absolument tout gâcher, hein, c'est ça, hein, mais de faire, d'atteindre votre objectif d'une manière peut-être plus intelligente et plus sage.
On vous dit que vous atteindrez vos objectifs en vous reconnectant à l'énergie positive, à la joie de vivre, à vos rêves, à ce qui vous porte, plutôt que d'être dans l'ombre, c'est-à-dire l'inverse, l'autodestruction, la colère, la tristesse, la noirceur. D'accord? Ouais, il y a quelque chose à retrouver ici, hein. De retour au travail, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Voilà, on vous dit ici, il n'est pas question d'abandonner vos projets. Il n'est pas question ici que bah, c'est, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous étiez en couple avec quelqu'un depuis longtemps, vous avez construit quelque chose et puis d'un seul coup, votre couple, bah, il y a une séparation. C'est pas parce qu'il y a une séparation que toute votre vie est terminée. C'est juste votre vie relationnelle, là pour le moment, qui n'est plus la même. Mais ça n'est pas vous, c'est pas toute votre vie, ça ne définit pas tout. Vous voyez, il y a un truc comme ça, où là on vous dit que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre projet que tout le projet est à mettre à la poubelle, qu'il faut tout abandonner. Non, il y a un truc à réajuster, il y a un truc à revoir, il y a peut-être de nouvelles bases à mettre en place, de nouvelles choses. Il ne faut pas être... Enfin, moi, je vous sens extrémiste dans votre façon de voir les choses ou de gérer la situation, là. D'accord? Donc, vous pouvez y arriver. Vous pouvez remonter la pente. Vous pouvez vous reconnecter à votre côté optimiste et positif. Mais attention à ce côté-là, par moment, hein, peut-être, qui va vouloir vous pousser à abandonner. C'est la part d'ombre, hein, un petit peu, qui va vous pousser à abandonner ou à être dans... Ouais, dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage, quoi. Donc non, en fait. Vous êtes capable de beaucoup mieux que ça. Allez, avec l'oracle de la voix divinatoire, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions durant cette période du 1er au 15 décembre. On parle ici de contrat, d'accord, de négociation peut-être, de promesses, d'engagement aussi. Et oui, on parle de liens troubles. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est... Alors, les liens troubles, ça peut être... on n'a pas confiance en l'autre. On a l'impression que l'autre... Enfin, je sais pas, il y a un truc par rapport au lien. Peut-être que le contrat, le lien qui vous unit à, je sais pas, votre travail, ou à un associé, ou à votre partenaire de vie, ou à quelqu'un, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est trouble. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous ment, qu'on vous... Je sais pas. Mais en tout cas, ça réveille une blessure chez vous qui fait que vous êtes vraiment dans cette notion de « Ok, je vais tout faire pour saboter ce lien. Je vais tout faire pour faire en sorte que... » Il y a un truc un peu vengeur dans tout ça. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Ouais, parce que vous rêviez d'un nouveau départ, vous êtes vraiment dans cette notion de projet, de planter une graine, donc ça peut être un nouveau contrat, un nouveau départ, mais quelque part c'est pas... Il y a quelque chose derrière en fait, c'est pas clair tout ça, vous voyez? On vous invite à vous reconnecter à vos rêves. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cet engagement-là? Que ce soit un engagement avec une personne... Ou, enfin, je veux dire, avec que ce soit un engagement amoureux, sentimental, ou que ce soit un engagement signé un contrat, quoi, peu importe ce que c'est. Mais est-ce que ça correspond bien à vos rêves? Il y a un besoin de vous reconnecter à ce qui est important ici pour vous. Et ne pas laisser quelque chose qui vous met le doute ou quelque chose qui n'est pas clair prendre le dessus. Oui, parce qu'on vous dit que c'est fertile en plus. Il y a quelque chose de porteur dans vos projets, dans votre rêve, dans votre situation. Il y a quelque chose... Oui, vous voyez, la reine de denier, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement sain, d'extrêmement serein, d'extrêmement lumineux dans ces nouveaux engagements, dans ces nouveaux contrats, dans ce nouveau départ aussi. Ça peut être un contrat envers vous-même. Hein, de vous dire, ça suffit, je sors un peu de ce comportement de victime, là, je sors un peu de ça, je me relève et je construis quelque chose, je repars sur des bases plus saines. Pour moi, il y a vraiment l'idée de, peut-être, après une rupture ou après quelque chose d'un peu difficile, vous redémarrez sur quelque chose de porteur. Là, l'univers vous envoie
une possibilité de planter une graine qui va donner quelque chose vraiment de lumineux. Hein, on est vraiment avec l'impératrice sur de la fertilité, sur quelque chose qui vous correspond vraiment, et en plus ça va stimuler votre créativité. Vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à quelque chose de positif. Parce que là, pour moi, vous étiez parti dans quelque chose de négatif, dans votre façon de voir les choses, dans votre comportement, vous vous êtes dit c'est foutu, ça y est, voilà, enfin il y a eu un moment donné où vous avez vrillé un petit peu, et là on vous dit non, regarde, regarde, là il y a quelque chose de beau, là. Il y a quelque chose de lumineux qui se met en place. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui vous invite justement à rester serein et sereine dans cette situation-là et ne pas imaginer le pire. Attention à vos parts d'ombre qui pourraient... Alors ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous, vous montrer hyper suspicieux parce que les liens troubles, c'est les doutes que vous pouvez nourrir par rapport à la notion de confiance. Confiance en l'autre, confiance en vous, confiance bah, peut-être en la vie aussi, mais il y a vraiment cette notion d'avoir du mal à y croire et de vous dire ouais non mais je sens que ça va être non mais je sens que ça c'est un piège, je sais trop beau pour être vrai. Vous voyez les discours comme ça qui peuvent vous pousser à faire des choses, à tester peut-être les limites de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire ou à tester les limites et vous auto-saboter par rapport à cette occasion, cette opportunité de construire quelque chose. Il va falloir sortir de ce côté un peu extrême du scorpion pour voir vraiment ce qui se cache derrière cette opportunité-là parce que vraiment il y a un potentiel, d'accord ? Donc essayez au mieux de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à quelque chose de noir, hein, c'est un peu sombre hein, quand même, c'est un peu noir tout ça, et de rester confiant et confiante par rapport à quelque chose. Vous voyez, je sens ce côté un peu « ouais, mais je suis pas sûre, de toute façon, la vie c'est nul, à chaque fois c'est un échec, ou alors je... » Enfin, non, croyez en vous, et croyez surtout en l'univers, là. Croyez que... En fait, l'univers vous montre la voie depuis toujours, elle nous montre le chemin. Même si parfois il est chaotique, le chemin c'est justement pour changer de voie. Si la voie est chaotique, il faut changer, tout simplement. Mais il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas tout ça. Au contraire, il y a une reconnexion à quelque chose de positif ici. Voilà, donc ne baissez pas les bras. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais ne baissez pas les bras. Les lions, ça va bien se passer. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous donne. Pour vous les lions... relationnel et sentimental, donc du 1er au 15 décembre, vous avez les vœux. Donc encore une fois, vos intentions, vos rêves, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà, les vœux et la création. Cette carte, elle est très jolie. Donc la création, effectivement, c'est qu'est-ce que vous voulez créer? Quels sont vos projets? Sur quoi est-ce que finalement, aujourd'hui, vous pouvez vous projeter vers l'avenir. Pour moi, il y a une reconstruction, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, il y a une possibilité de... peut-être de vous retrouver, hein, après une phase difficile, peut-être aussi. Voilà, mais restez confiant et confiante et optimiste par rapport à ce qui arrive. Alors, on a l'amitié ici. Les bons moments de partage avec les personnes que vous aimez, ça peut être le soutien. Oui, il y a quelque chose là qui vous aide par rapport à ça. Voyez, il y a une personne de votre entourage ou plusieurs personnes de votre entourage qui pourront vous aider à changer votre état d'esprit, à sortir de cette négativité pour voir le potentiel que vous avez autour de vous. C'est juste une période, je pense, les lions. C'est juste une petite phase là. Ça arrive des fois, hein. Mais ben voilà. Le but... c'est justement d'avoir le sentiment de toucher le fond pendant quelques temps pour pouvoir renaître et rebondir, pour pouvoir renaître à soi-même. Il y a un renouveau, hein. Il y a vraiment une belle renaissance ici, mais parfois on est obligé de passer par quelque chose d'un peu noir, d'un peu difficile, pour pouvoir renaître de la meilleure façon possible. Donc ce qui va vous aider dans votre vie relationnelle, ce sont vos amis, ce sont les personnes qui vous aiment, ça peut être la famille aussi, hein. Des personnes en qui vous pouvez, qui seront là pour vous et pour vous aider à changer votre regard sur votre situation. Parce que vous êtes dans quelque chose d'un peu, on avait la paranoïa, on avait les doutes, tout ça, c'est vraiment vous qui voyez ça comme ça. C'est une...
C'est une façon de voir les choses qui est très négative. Alors qu'en fait, si vous changez simplement votre regard en voyant les choses d'une manière positive, bah, vous allez voir que tout ça va disparaître finalement. Que vous, ça n'avait pas lieu d'être d'une certaine manière. Donc, reconnexion à votre foi, à votre spiritualité, à la joie de vivre, à ce nouveau départ, voilà, et aussi à avoir, ben voyez, vous avez le monde en plus ici. Donc il y a une réussite à la clé. Le monde symbolise aussi une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui a pris fin pour moi ici, hein. Il y a des projets qui ont dû être revus, il y a des choses, des relations peut-être, des ruptures, peut-être des personnes qui sont parties, hein, des décès, des choses que vous avez eu du mal à accepter, mais qui font partie de la vie, qui font partie du cycle. Et aujourd'hui, il y a bien des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair par rapport à tout ça et qui vont vous permettre de renaître et de repartir sur de bonnes bases. Donc c'est vraiment une période un peu difficile. Je pense qu'en début, là, début décembre, là, vous allez vraiment traverser. D'ailleurs, vous avez la traversée ici. Cette notion de traverser un petit peu une situation compliquée, douloureuse, mais qui vous permet de renaître avec un sentiment de joie et de complétude par la suite. C'est une nouvelle phase de votre vie, peut-être pour certains d'entre vous, ou tout simplement un nouveau départ, voilà, en laissant derrière vous cette énergie négative ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens, quel est votre message pour vous les lions, donc du 1er au 15 décembre. Vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, ne vous imaginez pas le pire. Ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de vous associer à quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un, de vous engager dans quelque chose. Ne voyez pas le mal partout. Moi, j'ai vraiment ce côté-là où, pour certains d'entre vous, vous allez vous méfier. Mais à force de trop se méfier, parfois, on finit par laisser filer une opportunité. Pour moi, il y a une occasion de vous engager dans quelque chose. Donc, peut-être que, voilà. Regardez les choses sous un angle différent et vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de fertile à la clé ou une opportunité à saisir ici. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.